Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était et qui sera, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son oint, à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. » Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel. Ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et les anges criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. » Amen.